Alors voici ce pauvre iMac dont la vidéo est tombée en panne, un petit peu de ma faute hein, parce que j'ai voulu mettre un disque dur SSD que voici et en l'ouvrant j'ai abîmé un connecteur. Donc nous allons procéder à sa réparation. Et ce connecteur se trouve sur la carte mère, à cet endroit-là. Et il est tout petit. Et donc on va le souder ici, comme ceci. Donc c'est des micro-contacts et je vais me servir du caméscope pour grossir. Donc le caméscope, on va le relier à ce téléviseur afin d'avoir une belle image bien grande. Et ici, nous avons le matériel pour travailler. Donc on a un poste à air chaud qui monte à 350 degrés et puis un fer à souder classique. Voilà. Ensuite, élément très important, le flux de soudure qui permet de décaper et puis de faciliter la mise en place de la soudure. Soudure à l'étain, normale, hein, aux composants électroniques. Une pince, une presselle pour pouvoir saisir les micro-composants. Oui, donc voilà la zone sur laquelle on va souder le connecteur. Bon, ici j'ai eu un petit souci. J'ai été obligé de travailler la zone ici parce que j'avais deux contacts qui se touchaient. La petite zone ici de soudure était défectueuse. Et elle touchait, vous voyez, le petit rond, le petit cratère qu'on voit ici, c'est un contact qui fait 3 volts normalement. Et c'était en contact avec la zone ici qui est à la masse, donc il y avait un court-circuit franc. Donc j'ai gratté la zone de la masse pour que ça ne touche plus ce contact. Donc j'ai pour ça trouvé où ce point est relié. J'ai trouvé un point relié ici et donc me reprends ici parce que ici c'est pas possible pour pouvoir ramener sur le connecteur ce point-là. Voilà toute l'histoire. Donc maintenant on va tâcher de souder correctement ce connecteur, ce qui n'est pas si facile. Alors pour ça, on s'aide de ce flux de soudure. Donc voilà le flux. Quand je fais ça, vous voyez la soudure, elle ne se met pas en pont. Donc je fais ça. Voilà, donc la surface de soudure est prête. Donc ici, on a les points de masse, un ici et un là. Et ici, c'est la masse du connecteur qui permet de le maintenir physiquement fermement. Donc vous voyez, quand je ne mets pas de flux et que je tire, ça fait une bavure, une pointe. Alors que si je mets du flux, ça le fait beaucoup moins, voilà. Bon, donc on va tâcher de souder ce connecteur. Alors le principe, c'est de le plaquer afin que tous les contacts soient bien plaqués sur les zones de soudure. Parce que si on ne le plaque pas suffisamment, lorsque je vais mettre la soudure sur les contacts, certains contacts risquent de ne pas être soudés. Donc voici le connecteur. Donc ça, c'est un connecteur 30 contacts. Alors ici, j'ai redressé le contact justement qui était abîmé là-bas sur la carte mère. Donc ça, je l'ai redressé pour pouvoir souder le fil dessus.
Voilà, donc première opération, on va le mettre en place et souder les pattes de fixation aux deux extrémités. Alors pour la mise en place, on a un repère ici. Donc ici, vous voyez à gauche, là, on a un petit repère qui nous permet de le positionner. Il va falloir que je me mette ça correct. C'est pas mal, donc on va souder l'autre côté. Voilà. Donc on vérifie que tous les 30 contacts sont bien en position. Il semblerait que oui. Et puis maintenant, eh ben, on va faire le plus difficile. C'est la soudure des micro-contacts. Je vais commencer par celui-là, qui est le contact, qui est un contact de masse. Voilà. Alors maintenant, on va mettre du flux. Et avec ce flux, on va pouvoir souder les contacts sans problème, j'espère. Ah, là, j'ai mis un petit peu trop de soudure. Un petit peu trop de soudure. Alors quand on met trop de soudure, eh ben, on utilise la tresse à dessouder qui permet d'absorber le trop-plein de soudure. Bien, alors le connecteur est en place. Là, ici, c'est normal qu'il y ait un paquet de soudure parce que ces quatre là sont reliés, donc là ça gêne pas. Par contre, ici il va falloir relier ceci. Voilà, et puis on vérifie les contacts donc avec une petite panne à souder et on y va très délicatement parce que si je mets de la soudure trop près du connecteur, ça va toucher le blindage, donc ça va mettre les contacts à la masse. Il faut pas trembler, hein. Il faut pas sucrer les fraises, hein. Donc là, je vérifie les soudures une à une parce que certaines cosses risquent de ne pas être soudées. Vous voyez, quand je tire le fer à souder, là, des fois, ça fait une petite queue. Et si je le fais latéralement, la queue va aller toucher le contact d'à côté. Donc, il faut faire attention. Et voilà. Bon, et puis je vais souder le fil, le petit bout de fil là, de réparation. Je vais essayer de le souder ici. Il est trop haut. Voilà, il faut que je le mette en face du contact. Et hop, petit coup de soudure. Est-ce qu'il tient? Ouais, il tient. Voilà. Donc là, on a l'impression qu'il touche en dessous, mais en fait, non.
c'est que le caméscope a une vision par-dessus, donc on ne voit pas que sur le côté ici, nous avons un espace. Non, ça touche pas. De toute façon, si ça touche, on va le savoir tout de suite. Ça ne touche pas. Ça, c'est la masse. Ça, c'est le plus 12, plus 12, plus 12. Donc, ces quatre là sont réunis. Après, c'est la masse. 1, 2, 3, 4 masses. Alors maintenant, on vérifie en même temps la masse. Qu'aucun contact, à part les quatre qui sont prévus d'être à la masse, c'est-à-dire celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. On va vérifier sur le schéma. Alors, donc, on va vérifier ça. Donc, le 3 est à la masse, le 6 est à la masse, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 15, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 23, 24, 25. Donc le 1, c'est normal. Le 1, il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, t'as pas le schéma, c'est normal. Hein. Par contre, 22, 23, 24, 25 sont à la masse. 22, 23, 24, 25 sont à la masse. Ici, c'est le plus 12 volts. 1, 2, 3 et 4 plus 12 volts. Et ici, c'est le 3 volts 3. Et ici, de nouveau, la masse. Donc, nous sommes bons. Ici, donc, nous avons le 3 volts 3 qui arrive là et qui, normalement, ne touche pas ça. Ensuite, ici, on a le 12 volts qui doit arriver là. Le 12 volts qui est ici arrive ici. Ok. Donc ça va. Normalement, on est connecté. Maintenant, reste à savoir si ces composants là qui ajustent la tension par rapport à son arrivée ici, puisque la tension arrive là, en provenance de l'alimentation principale, et après elle est traitée par des circuits de ce genre là donc j'espère qu'il n'y en a pas qui seront fichus. Sinon, ben, il faut changer toute la carte mère, et voilà, on va faire les tests et un petit coup de nettoyage. Voilà, un petit coup de nettoyage. Et c'est bon. Bon, ben maintenant on va tester le câble une fois connecté, point par point, pour voir si les 30 contacts sont correctement reliés. Donc je mets le connecteur en place très délicatement parce que c'est vraiment très fragile. Voilà, et avec l'ohmmètre, on teste la continuité entre ici, le connecteur ici, et les contacts ici. Donc ici, on devrait... C'est celui-là ou c'est celui-là? Non, c'est celui-là, voilà. Donc à chaque fois, je donne un coup à la masse pour vérifier qu'on n'est pas à la masse. Bien, alors j'ai remonté tout ça. Donc je remets l'écran LCD 27 pouces en place, avec tous ces connecteurs là-bas derrière, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on voit, mais ce connecteur, ce fameux connecteur, voilà, il est en place. Ici, il y en a un autre.
Je mets tout en place, je referme. Hop. Et c'est le moment crucial. On va voir si ça marche. Aïe, 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 aïe. Allez, je fais démarrer. Ouais! Ça marche, ça marche, ça marche!